piqué une. T'as pas les tiennes? Si, si, j'en ai. Enfin, pas là, quoi. Je peux te piquer ton feu. Alors, t'es venu qu'avec ta gueule pour fumer aujourd'hui. Mais c'est qu'elle se fâche. Dis-moi. T'es pas une clope près, quand même. Entre toi et moi, on est un peu plus d'une clope près. J'espère bien, dis donc. Toi et moi, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, non? Ouais. Avec toi, mes clopes quittent plus vite ma poche, et les Mexicains leur pays. Putain, tiens d'ailleurs. Puisqu'on y est, à parler port, export, les affaires, ça marche plutôt pas mal chez vous, non? D'où tu tiens ça, toi? Je sais pas. C'est ce qui se dit. C'est ce qui s'entend. La rumeur. Toi, les rumeurs, tu les écoutes trop. Ouais, c'est... Et en même temps, avec des mecs comme toi, si je veux me tenir informé, j'ai intérêt de t'en piquer pas mal des clopes, non? Tu veux en venir où? Bah, vous êtes... Vous êtes... Comment dire? Un peu opaque. Opaque? Tu veux le mot fléché maintenant? Non. Mais votre... organisation. Il y a un mur! Tu t'es jamais demandé pourquoi? Ben si. C'est pour éviter les balances, quoi. Les emmerdeurs, quoi. Et d'après toi, tu fais partie de quelle catégorie? T'es pas en train de me traiter de vrai-boîte, toi, là. J'ai jamais balancé, moi. Je pensais plutôt à l'autre catégorie. T'es dur, là. Vous avez une drôle de façon de traiter les amis, quand même. On fait pas dans le copinage. On fait ça dans les règles. Ah, ben ça, on risque pas de les oublier, vos fichues règles. N'empêche... Vous êtes vraiment comme ça, des fois. Comment ça, comme ça? Bah, comme ça, on a des règles, on a des lois. On fait ça comme si, pas comme ça. Mais mon Dieu, vous êtes tellement à cheval sur vos procédures. On pourrait vous offrir une pile de billets sur un plateau en argent. Vous seriez capable de refuser parce que les bornes du plateau sont pas concaves. Les règles, c'est pas pour casser les burnes. C'est pour les garder en place. Et vous auriez peut-être besoin d'un petit coup de main pour ça, non? Pourquoi? Pour casser les burnes? Ouais, pour ça. Ou pour autre chose. Toi, je suis sérieux, là, moi. Tu me dis, demain, hangar, cargaison, 9h30, pack. Moi, je livre les donuts à 9h15, moi. Vas-y plus fort, le serveur a pas entendu. En vrai, hé, hey, Sodec, je pourrais vous aider, faire partie de la bande, quoi. On recrute pas. Attends, à d'autres. Pour venir chez nous, faudra déjà que tu sois... bien plein. Comment ça? On peut dire que tu sois en odeur de sainteté. Bah, pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Quoi? Le fric? Tout juste. Tu m'as fait venir jusqu'ici pour ça? On boit un verre ensemble. On discute tranquillou. Tu me parles de tout et de rien. Salut, comment ça va? Et les amis? Et la famille? Et les enfants? Et patati et patata et pac, tiens, au fait, tu nous levais pas de l'argent, mais bon, dans la queue, tu m'as fait venir pour la thune! Mais non, c'est pas ça! Écoute, c'est pas toi que je vais la prendre. T'as emprunté? Maintenant, faut rembourser. Pas vrai. Regarde l'autre, là. Tedesco. Lui, il peut emprunter jusqu'à 60 000 à Poli. Et moi, vous venez me briser les glaouis pour 3 briques. 4. 4. Avec les intérêts. Vous faites pas chier. C'est pas moi qui fixe les prix.
Et puis, c'était le deal convenu, non? Ouais. Je sais. Mais je me disais que... Enfin, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Hein? J'ai peut-être mérité une petite faveur, non? Une faveur? À 30 000, c'est plus une faveur. C'est un braquage. Le mieux que t'as à faire, c'est de payer. T'es marrant, toi. Cabric, ça tombe pas du ciel. Faut que tu me laisses du temps. Du temps? Je crois que t'en as eu suffisamment, du temps. C'est les règles. Faut payer maintenant. Écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller voir Vito de ma part. Et tu vas lui dire à Vito qu'il me laisse une semaine de plus et je lui rends son fric. Plus les intérêts. Ouais, plus les intérêts. Et disons même que je lui rajoute un petit supplément en sus. Et en échange, il parle de moi à Peter pour me faire rentrer dans la bande. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? T'es sur un coup? Ça, c'est mon affaire, ok? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ben, il faut que j'en parle à Vito. Qui devra en parler à Peter? Qui devra en parler au pape? Qui devra en parler au Père Noël? Qui lui-même devra en référer à la Sainte Vierge? Mon Dieu! Une semaine. Et t'as l'argent? Une semaine. Et t'as l'argent. Et pas de retard cette fois? Pas un jour de retard. Deal. Je reviens, je vais pisser.